ça c'est une bombe. Hein. Tayo Cruz, Florida, juste après l'actu, 9h01 sur Energy. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, l'hiver est arrivé officiellement à 6h29, mais en sortant de chez vous, vous aurez comme une très agréable sensation d'automne. Il fait doux actuellement à Avignon avec 12 degrés de relevé il y a quelques minutes. Les maxi indiqueront 16 degrés au plus fort avec un grand soleil, mais aussi beaucoup de vent. Le Mistral va balayer le 84 avec des rafales à 80 km/h. Avant de développer l'actu du jour, petit clin d'œil au Père Noël d'Avignon. C'est Francesco Brescia, un taurois sosie de Sean Connery. Il a été élu hier après-midi sur la place Peel, a donc remporté le casting de Père et Mère Noël parmi une centaine de candidats. Il gagne un voyage en Laponie d'une valeur de 3 500 €. On va éviter l'avion pour la Laponie. Il n'y a toujours pas d'accord entre les agents de sûreté des aéroports et leur direction. La grève a donc été reconduite hier soir. On entre donc dans un 7e jour de conflit. Mais des policiers ont pris place à Roissy ce matin pour assurer la fouille des bagages et des passagers. Il y a encore de longues files d'attente en ce moment. À Lyon, le mouvement se poursuit également aujourd'hui encore. Toujours au chapitre social, les difficultés économiques de Continental Nutrition à Vedaine. Une réunion avait lieu hier après-midi entre syndicats et conseil général. Objectif, trouver une solution pour éviter la fermeture du site qui emploie une centaine de personnes, sans compter les 200 emplois indirects. Le conseil général s'est dit prêt à apporter une aide financière, mais attend de rencontrer la direction d'ici la mi-janvier. Le foot avec la 19e journée de Ligue 1 et le PSG est sacré champion d'automne. Paris termine l'année 2011 en tête de la Ligue 1 après sa victoire à Saint-Etienne hier soir 1-0. Les Parisiens, seuls leaders du championnat, tous leurs concurrents ont perdu des points. Montpellier s'est incliné 4-2 à Evian. Lyon a perdu à Valenciennes 1-0. Lille a fait match nul 4-partout contre Nice. Notez également qu'au terme de cette journée, l'OM se retrouve 6e du championnat. Enfin, en Ligue 2, Arles-Avignon termine l'année en position de relégable, 19e. Il n'y a que 15 points au compteur des essayistes. Des points remportés grâce à 3 victoires en 19 matchs de L2, 6 nuls et 9 défaites. Mais les Provençaux ont en tout joué 40 matchs officiels, toutes compétitions confondues cette année, avec seulement 5 victoires pour 23 défaites. C'est le bilan le plus médiocre du foot français. À la tête de ce bilan, Marcel Salerno qui est sur la sellette. Voilà pour vos infos. Je vous abandonne quelques jours, le temps des fêtes de Noël que je vous souhaite excellente. Et ben je vous retrouve l'année prochaine. Dites à la suite tout de suite.